Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente aujourd'hui de vous filmer une vidéo, une journée dans mon assiette, ce que je mange dans une journée. Je trouve que ça fait un petit temps que j'en ai pas fait et j'adore ce genre de vidéos, j'adore les regarder et j'adore les faire. J'ai commencé comme tous les jours avec beaucoup d'eau. J'essaye de diminuer ma consommation de café, donc j'essaie de boire beaucoup de thé aussi. J'adore le thé au fenouil, c'est simplement juste fenouil. Si je viens de rentrer de ma course, j'ai été faire une magnifique course très très froide. Il faisait très très froid, j'ai démarré, il faisait moins 8, mais je suis habillée de circonstance, donc tout allait très bien. Et je viens de rentrer, j'ai pris ma douche, j'ai fait ma skincare, je me suis un petit peu maquillée et là on va prendre un bon petit déjeuner, j'ai très très faim et on va faire ça ensemble. Pour le petit déjeuner, on va faire un yaourt bowl, juste mon obsession du moment, je mange ça tous les jours. Et ici, comme je reviens de ma course, je vous avoue que j'ai super faim. J'utilise souvent pour faire ce petit déjeuner là, j'utilise tout ce qui est baies, donc que ce soit framboise, myrtille. Et j'utilise soit des fraîches, soit des surgelées. J'adore ces petits paquets là du Delez. C'est 250 grammes et j'utilise l'entièreté. Ici j'ai aussi des fraîches, donc je vais les mettre aussi. Et c'est top parce que ça amène du volume, des fibres, plein d'antioxydants. Donc c'est vraiment un bon petit déjeuner. Et je mets ça avec du yaourt de soja pour les protéines, les lipides. Et j'ajoute aussi des graines, des noix. Et récemment j'ai réajouté du granola parce que j'avais vraiment envie d'avoir un petit côté encore plus croquant et encore plus gourmand. Et j'ai fait une recette de granola hier que j'ai testée pour une recette. Et il est incroyable. À la place de l'huile ou du tahini, j'ai utilisé de la compote de pommes et l'effet croustillant et des petites boules qui se créent est juste daguissime. Donc il faut absolument que je vous partage la recette. Il est trop bon, il est vraiment, j'ai l'impression de manger du gâteau. Et il est aussi riche en protéines parce que j'ai mis de la poudre de protéines. J'ai récemment réincorporé la poudre de protéines. Et ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bien. Et le sport que je fais, etc., je ressentais que j'avais besoin d'augmenter un petit peu mon apport en protéines. Et je me sens vraiment au top comme ça. Et je fais vraiment attention à toujours bien mettre une source de protéines dans mes repas. Et ici avec le petit déjeuner, avec notre granola riche en protéines et notre yaourt de soja, on est bien. Donc je vais faire ça maintenant et peut-être que cet après-midi je vous filmerai la recette du granola, comme ça vous l'avez aussi. Idéalement, quand on est début de semaine, mes fruits sont déjà décongelés au frigo. Mais ici on est fin de semaine et j'ai plus rien de préparé. Donc ça va vraiment être une what I eat in a day sans préparation. Je n'aime pas trop utiliser le micro-ondes pour décongeler mes fruits. Mais bon, it's la vraie vie. Les noix que j'utilise, je mets toujours deux noix du Brésil pour notre sélénium quotidien. Je mets des graines de tournesol, des graines de courge et des graines de chanvre. Ça, c'est vraiment mes quatre graines préférées. Et ici, j'en ai racheté justement hier. Et alors, je ne les cuis pas avec le granola, je les rajoute après. Comme ça, on n'enlève pas les propriétés nutritives des graines. Et ici, voilà, moi c'est comme ça que je préfère faire, mais vous pouvez aussi tout mettre ensemble et cuire le granola d'un coup. Je vais chercher les fruits. Mais d'abord, tous les fruits. On vient ajouter notre yaourt de soja. On va venir mettre une framboise fraîche. Notre granola. Graines de chanvre, noix du Brésil, nos graines de tournesol. Voilà.
une magnifique portion de petit déjeuner. Franchement, c'est juste une tuerie. Trop trop bon avec les fruits, le jus des fruits qui est un peu coulé dans le yaourt. C'est délicieux, sucré naturellement des fruits. J'adore ce petit déjeuner, vraiment c'est la vie quoi. Hop là, je me suis mise ici comme ça la lumière est plus belle. Et je voulais vous dire que comme vous le voyez c'est quand même une grosse portion de nourriture. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, j'essaie vraiment de miser sur le volume pour avoir des repas qui me rassasient pendant plusieurs heures. Ici vraiment miser sur les fruits, sur le yaourt, le granola qui est super sain. C'est vraiment que des bonnes choses qui m'apportent beaucoup de nutriments. C'est pour ça aussi que j'arrive à continuer à courir comme je le fais. C'est en mangeant suffisamment, en mangeant des bonnes choses, en mangeant des choses qui sont riches en antioxydants. On me demande souvent que manger avant, que manger après, si je mange avant, si je mange après. En fait, ça dépend toujours, ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ici récemment, j'ai recommencé à me lever hyper tôt. Et à la base, c'était une de mes résolutions, c'est que je voulais vraiment recommencer à me lever à 5h du matin. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait sentir super bien. Et ma vie actuelle... en vivant ici chez mes parents, bah, me le permet parce que Romain, je ne le vois que le week-end. Et donc la semaine, bah, ça ne me dérange pas du tout d'aller dormir tôt et de me réveiller tôt. Donc ça, c'est vraiment positif dans le sens où je ne dois penser qu'à moi et ça fait du bien. Me lever à 5h n'est pas du tout un problème pour ma vie sociale et ma vie de couple, mais c'est sûr que c'est pas évident parce que si j'étais avec Romain et que je dormais avec lui, lui travaille beaucoup plus tard et moi je commence beaucoup plus tôt. Donc au final on passerait pas la soirée ensemble. Voilà, sur le long terme c'est vrai que c'est quand même important. J'ai complètement dévié le sujet. Mais je voulais dire que oui, j'avais recommencé à me lever très très tôt. Et donc je fais mon sport le matin parce que moi c'est ce que je préfère. Et j'ai aussi recommencé à coacher des clients qui sont devenus des amis, mais à la base ce sont des clients. Et ils vont courir à 6h du matin. Donc grâce à ça au final je me lève très très tôt. Je me lève à 4h45. Et maintenant je ne vais pas les coacher tous les jours, mais j'essaie vraiment de garder cette routine de me lever tôt. Et ce matin j'ai été courir seule très tôt aussi et c'était incroyable. Mais du coup en me levant si tôt et en allant courir si tôt, je ne déjeune pas avant. Je bois beaucoup d'eau, je bois un thé et je bois un café, mais je ne déjeune pas avant, je ne saurais pas. Et mais par contre après voilà, j'ai très très faim et je vais vraiment manger en quantité suffisante pour me sentir bien. Et mais par contre, si j'allais courir vers midi ou même à 10h, d'office j'ai mangé quelque chose avant. Parce qu'en fait, j'ai envie que mes courses soient agréables tout du long et j'ai envie de sentir que j'ai de l'énergie pendant toute ma course. Et je sens que quand je suis à jeun, il y a quand même un moment donné où je suis beaucoup plus vite dans le dur. Avec un froid pareil, je ne saurais pas m'arrêter ou ralentir parce que mes doigts, comme vous le savez, deviennent très très vite froids. Et donc voilà, l'un dans l'autre, je m'écoute, j'écoute mon corps et parfois je déjeune pas avant, mais je vais toujours manger après, ça d'office, parce que sinon je le ressens tout de suite, j'ai des coups de pompe, je me sens pas au top. Et par rapport à quoi manger avant, je vais toujours privilégier une source de glucides, toujours manger des fruits, bananes, dattes, etc. parce que c'est ce qui digère le plus vite. Et si j'ai des longues, si je vais courir pendant longtemps, pendant plus d'une heure, je vais prendre aussi un fruit avec moi. Ou des dattes, ça les dattes j'adore, et ou des compotes de fruits aussi, j'aime beaucoup je prends des compotes pour bébé, j'adore, et ça passe super bien. Et après toujours un repas complet avec protéines, glucides, épines. J'ai commandé des gants chauffants parce que je n'en pouvais plus d'avoir si froid aux doigts. Ça fait une semaine que je les attends donc j'ai pas encore pu les tester, mais dès que je les ai, je vous fais un petit retour. Mais je pense que ça va me changer complètement ma vie, me changer complètement mes courses. Je vais déjeuner ça et on se retrouve un peu plus tard pour le repas de midi. Vous n'avez plus de batterie. Je vais faire charger l'appareil photo. On se retrouve après pour notre repas de midi ou pour le granola si je le fais avant. Il y a de la belle lumière donc vous savez, je vais faire ça maintenant. Les amis, on se retrouve pour notre lunch. Pour changer un petit peu, c'est une recette, je pense pas que je l'ai déjà faite sur YouTube.
Mais j'avais posté il y a très longtemps une recette sur Insta, c'était quelque chose que je mangeais tout le temps avant et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le manger. C'est une salade de jackfruit. Et vous allez me dire, mais Capucine, qu'est-ce que c'est le jackfruit? De quoi nous parles-tu? En fait, le jackfruit, c'est quoi? Le jackfruit, c'est à la base un fruit exotique. Je vais vous montrer une photo comme ça. C'est un énorme fruit et c'est délicieux, sucré à la base. Et en fait, il existe une version en saumure, comme ceci, qui n'est pas du tout sucrée du coup. Et en fait, la texture est très très fort similaire au poulet effiloché, ou plutôt au pulled pork. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et du coup, c'est super top pour remplacer l'effet viande dans des currys, dans des tacos, etc. Et j'adore me faire une salade mexicaine avec ça comme base. Où est-ce que je trouve ceci? Je trouve ceci en épicerie asiatique. Donc ici sur Liège, vous avez Takimi à Liège. Et sinon, et si vous n'y êtes jamais allé, vraiment allez-y. Ça s'appelle Amazing Oriental à Maastricht, mais c'est dans un parking et le magasin est énorme et vous allez adorer. C'est vraiment génial et vous trouvez mais de tout, et vous trouvez justement aussi du jackfruit surgelé, sucré. Et à l'époque j'en achetais tout le temps, j'en mangeais tout le temps, mais c'est vrai que maintenant j'y vais un peu moins, mais je vous conseille vraiment de passer. Je ne sais plus où on en était parce qu'on a été interrompu. Vu que je vis chez mes parents, il y a du passage tout le temps. C'est pour ça que de plus en plus je fais aussi des vidéos où je parle au-dessus, parce que je ne veux pas les empêcher de vivre. Je continue le temps que je peux. Je ne sais plus ce que je vous racontais, mais on va passer au plus important, c'est-à-dire notre lunch. Ici, je vais me faire une belle grosse salade parce que j'adore les salades. Et je vous parlais du jackfruit et de où l'acheter. Donc ça se présente sous ce format. Et alors on va venir vraiment le rincer abondamment. Et on se retrouve avec ceci parce que j'ai mangé ça hier et il restait un reste. Ou en fait, ce que vous allez venir faire, enlever cette partie ici intérieure. Et on vient effilocher le reste. Ceci. Et on se retrouve vraiment avec une texture de poulet effiloché. Donc c'est vraiment top. Par contre, parfois le goût de saumure est tellement prononcé qu'il faut les cuire avant dans un bouillon pour vraiment tenter d'enlever ce côté saumure. Que ici, la variété que j'achète, ça ne goûte déjà même quasi pas la saumure quand on le goûte comme ça. Et puis je vais ajouter tellement d'épices aussi que ça enlève aussi ce côté-là. Et par contre, ce que j'adore avec cette salade, c'est d'ajouter de l'avocat, parce que ça vient vraiment adoucir les épices du jackfruit. Mais je n'en ai pas. Donc ici on fera sans. Et ce qui est très très bon aussi, c'est d'ajouter du yaourt nature par dessus. Et si vous voulez faire un petit peu plus développé, vous faites une petite crème avec de l'échalote, vous pouvez mettre du jus de citron, du poivre, ça peut être souvent de l'ail. Mais c'est vrai que moi j'aime bien, j'adore tellement le goût du yaourt nature que ça me goûte comme ça. Mais c'est vrai que cette salade est bien meilleure avec de l'avocat. Et vous pouvez aussi mettre des poivrons grillés. Mais ici voilà, il est déjà 14h. Et je n'ai pas trop le temps de faire une recette développée. Donc ici je vais simplement cuire ça. Il y a aussi moyen de griller les maïs, d'ajouter beaucoup plus de goût, de texture, etc. Donc voilà. On va passer de l'autre côté. On va assaisonner tout ça d'abord. Et puis on va cuire notre jackfruit.
si vous connaissiez le jackfruit et si vous êtes intrigué et si vous allez en chercher, je vous invite à acheter le fruit au rayon surgelé et de tester en saumure parce que vraiment c'est super bon. Bon, je vais manger ma salade et puis on va mettre le granola dans un bocal parce que là il a bien refroidi. J'ai encore goûté ici asséché, c'est trop trop bon. Et ici cette fois-ci j'ai fait beaucoup plus des gros morceaux que la dernière fois, c'était beaucoup plus style granola. Maintenant ici ça pourrait être une recette plus pour un snack et l'autre vraiment pour un style de granola. Et la différence entre les deux c'est uniquement la quantité de compote de pommes. Sinon j'ai utilisé exactement les mêmes ingrédients. Donc je pense que comme il y a plus de compote, plus de mouillé, donc ça a plus enrobé l'entièreté des flocons d'avoine quoi. Écoutez-moi ce croustillant. On n'a pas bien entendu. Trop bon. Je me suis fait un petit dessert parce que j'ai les crocs avec la course à pied que j'ai fait ce matin. Petit rappel pour vous dire de manger suffisamment selon vos besoins et ne vous comparez pas aux autres. Et voilà.